Hey, salut à toutes et à tous, c'est Timmy et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter une petite maison vraiment sympa et on va y aller, je vous propose un Liberator. Donc les gars, c'est parti, ou les filles, pardon. Voilà cet endroit, je crois bien que c'est où j'avais mis mon point. Je suis pas sûre. Attends, on va baisser un peu le son. C'est bon. Ensuite, on va sortir d'ici. J'aime bien Liberator parce qu'il tourne avec le derrière, du coup ça se manœuvre bien. Wow, calme-toi toi. Calme-toi, je te dis. Hein. Et je trouve que ce Liberator, ça va assez vite. Par contre, on ne peut pas les tuner. Je trouve ça. Bah, ça aurait été compliqué de pouvoir les tuner pour Rockstar, mais en même temps, ça aurait été vraiment sympa. Wow. On part avec lui, les gars. Donc, pour les joueurs GTA V Online, il y a eu des nouveaux DLC. Je sais pas si vous avez été au courant, mais vous êtes sur la chaîne de la salle et puis vous regardez une de ses dernières vidéos. Maintenant, on peut monter une espèce d'entreprise dans la Maze Bank et dans d'autres bâtiments. Faire des choses, on peut être chasseur d'animaux, je crois. Enfin, il y a plein de nouveaux. Il y a des nouveaux véhicules aussi, un nouvel hélicoptère, un nouveau camion de l'armée et de nouvelles voitures. Super sportive. Donc voilà. Selon ce que j'entends, j'informe un petit peu vite fait comme ça. Histoire d'informer quoi, même si je joue pas en online. Dommage, hein. Je voulais voir pour y jouer justement. Faut que je vois. Donc là, on va passer directement ici. Donc moi je vous montre où j'ai mis mon point, on verra si c'est ça ou pas. Donc si vous voulez y aller, ne me mettez pas tout de suite. Je crois bien que c'est là, mais je suis pas très très sûre. Bah, je suis sûre, en même temps je suis pas sûre. C'est un peu bizarre, voilà, je sais. Je suis sûre et je suis pas sûre. Là ça va monter facile, à l'aise. Wow, comme toi. Là aussi, je pense. Enfin, quoique. Moi aussi ça monte à l'aise. Donc moi je prends le Liberator parce que j'aime bien faire du hors-piste, enfin du hors-route plutôt. Avec le Liberator on peut aller n'importe où à part dans l'eau. Ouais tiens, il devrait inventer ça en GTA. Une voiture qui peut aller dans et qui peut voler, qui peut aller sur l'eau. D'ailleurs il y avait ça dans GTA 5 San Andreas. Il y avait des codes de triche pour voiture sur l'eau et voiture volante. Quand j'étais plus petit, je voyais mes soeurs jouer. C'était pas mal, ouais. J'avoue que c'était vraiment pas mal. Ouais, il veut se calmer, lui. Voiture volante, on s'éclatait bien. Sur l'eau aussi, ça, là. Donc, je préfère les bateaux de flics. Bon, je vais pas raconter ma vie, on s'en fout. Je pense que vous êtes pareil derrière votre ordi et votre écran. Aïe. Ouh, ah, attention. Il veut faire un backflip lui. Wow. Il a dit merde. Wow. Donc là, bientôt une vidéo va sortir. Je l'ai. Ah ouais, d'accord. Quand même. Je suis doué moi. Je disais une vidéo va sortir. Je ne l'ai pas encore faite. Ça va être Liberator sur le mont Chiliad. Donc je le rêvais depuis assez longtemps. Enfin, rêvais, voilà. De parler et là je viens de m'écraser comme une merde, j'en suis désolée, comme une grosse merde je viens de m'écraser. Bon, comment je fais là? Allez voir où je respawn. Ah ouais, en plus je respawn bien là, tu vois. Oh sérieux quoi. Bon allez, reprenons un véhicule normal parce que ça m'a saoulé en 2 secondes. Non, je plaisante. Tiens toi, stopping the vehicle please, thank you. Bye bye. C'est quoi ça? Allez, let's go. On a un petit peu plus de chemin, mais c'est pas grave, on a le temps. Si vous avez le temps, mais prenez-le le temps. Si vous prenez pas le temps, la vie passera plus vite. Allez, let's go. Oh, le bug! On revient en arrière dans la vidéo parce que c'était magnifique le bug. La voiture à gauche là, wow, c'était abusé.
Je sais pas si vous l'avez vu, c'était magnifique le bug. C'est la première fois qu'il y a un bug comme ça sur mon jeu. Wow, allez, remets-toi droit, t'es con toi. Et ça peut pas rouler. C'est 4-4-4, moi je vais leur apprendre comment rouler 4-4-4. Peut-être pas aujourd'hui, mais je vais leur apprendre. Allez, dégage toi. Mais va tout doucement cette caisse. Alors il nous fallait où? Il nous fallait là, ok. Ah oui, c'est où je suis. Vers où je suis mort avec mon libérateur. Voilà, effectivement, je vous l'accorde. Ça monte moins bien. On va essayer là. Ouais, ça va, mais il faut quand même un petit peu plus de temps que le libérateur. Bon, avec cette voiture, on va rejoindre la route, moi je dis. Je pense que je vais sortir sur ma chaîne aussi récemment un délire avec le libérateur, donc dans les montagnes. Ça va pas être avec le mont Chiliade. En tout cas, un bon délire, je vais me taper. Je vais essayer quoi, en tout cas. Je vous informe aussi, quand je fais des vidéos délire, j'ai juste prévu à l'avance un peu ce que j'allais faire, mais pas ce que j'allais dire, tout ça. C'est pour ça que des fois je dis un peu n'importe. C'est pas des trucs prévus, c'est des trucs bah, que je dis comme ça quand j'ai envie de me taper un délire. Putain, je comprends pas. Ah, c'est des... J'arrivais pas. Avec des véhicules, j'arrive plus à me retourner sur GTA. On va prendre le même chemin que le libérateur, on va voir. Déjà, ça va aller vraiment vite, j'ai l'impression. Wow! Ouais, fais pas du deux-roues dans la montagne, mais t'es con, toi! Bon, ok. Bon, bah. Montagne a décidé qu'on devait descendre. C'est pas moi qui ai décidé, c'est la montagne. Celle qu'il faut engueuler, pas moi. C'est où? Wow! Mais elle arrête pas de faire du deux-roues. Eh, je suis champion du deux-roues de cette voiture, moi. Eh, faut que je vous le dise aussi, j'ai. Enfin, il y a eu un bug trop chelou dans mon jeu. Il est en train de bugger, là. Donc, vous voyez, quand j'ai repris la partie. En fait, j'avais sauvegardé, j'avais mis une voiture, une super belle voiture, une américaine que je vous montrerai, dans mon garage. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que bah, quand j'ai respawn, je suis allée à la fourrière pour voir ce que j'avais. Et j'ai retrouvé cette voiture. Moi, je me suis dit, bah, elle a changé de place, tu vois. Et je la ramène chez moi et je vois quoi? La même voiture identique, la même, quoi, exactement la même. J'ai tout vérifié. Il n'y a pas un détail qui est différent. Exactement la même. Elle avait spawn en deux, enfin elle avait respawn. Et du coup bah je trouve ça trop chelou. Je sais pas vous. Je vous raconte pas de conneries. Hein. Je serais de vous montrer si elle est partie à la fourrière elle aussi. Donc voilà, la maison que je voulais vous montrer c'est bien celle-ci. Donc, je vous remonte bien le point. Donc ici sur la map. Voilà. Donc cette maison, plutôt la nuit, c'est magnifique. Je vais vous montrer des photos que j'avais prises. Et après, on va aller à un petit endroit aussi. Par contre, je sais pas comment on pourrait monter là. Peut-être avec la voiture. Ouais, je pensais que la voiture, ça passe. Je vais vous montrer un endroit aussi où j'ai pris des photos, mais je pense que c'est tout le temps dans GTA. Ah, je sais pas si vous avez remarqué vers Sandy Shore, là-haut, là, où on respawn à l'hôpital, pas à droite, mais tout à gauche. Bah, y a une maison, une espèce d'immeuble bizarre qui est tout en flammes. Bon, vous verrez ça. Donc là, dans cette maison, enfin, dans ce petit balcon, on voit... On voit des transats tranquilles et tout. On va essayer d'en pousser un dans l'eau. Attendez, on va voir. Mais pourquoi lui il bougeait alors? D'accord, eux ils bougent et pas l'autre. Bon. C'est quoi ça? Il tourne le machin. Attendez. Allez, décalez-vous. Ah, ils veulent pas aller dans l'eau. Hein. Toi, tu vas y aller par contre. Ça flotte ou quoi? Non, ça flotte pas apparemment. Bon bref, voilà. Aïe, non. D'accord. Donc là, une super belle maison. Hein. Vous avez une vue où vous pouvez sniper un peu. Attends, je vais me faire un petit oiseau. Non, je suis nul. Ah, je l'ai eu. Désolé pour ceux qui aiment les oiseaux. Après tout, on est dans GTA. Hein.
Sûr, je ne ferai pas ça dans la vraie vie. Là, vous avez une petite vue sur la route, vous pouvez sniper. J'essaie de faire un petit headshot, mais ça va être très très dur. Attendez, on va se mettre là. Non, on est trop loin pour tirer. Ça pourrait, ça pourrait. Et vous avez aussi une vue sur... Bah, je vais vous montrer là-bas. Vous avez aussi une... Ah ! Une magnifique vue sur le fort Zancudo. Donc voilà, là vous êtes bien bien, je vous le dis, pareil. Donc là aussi, ce qui est sympa, ils ont les habitants ont mis placé des pierres comme ça. D'ailleurs, je sais pas où on monte, normal quoi. Enfin, je sais pas exactement, parce qu'en fait, on peut pas rentrer à par rapport à ici. Pourquoi c'est tout mouillé? Ah mais non, mais je suis con, je crois que c'est une espèce de petite rivière. Je crois qu'il y a de l'eau. Mais oui, je suis con, c'est une petite rivière. Vu le bruit que ça faisait, je me disais, attends, c'est quoi? Je croyais que c'était pour marcher dessus. Non, en fait, c'est une petite rivière. Désolé, hein, j'avais pas vu. Par contre, ce qui est mal fait, c'est où est la source, quoi. D'accord, ça sort de la pierre. Je veux dire, c'est la pierre qui est spéciale. Oh, il y a des gens. Oh, de la bande ou... C'est quoi ça? Bande, bande ou... Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vous pousse avec mes pieds. Fais mes pieds. Ouais, il est où l'autre? On demande où, Pélo? Eh, hey, tu vas où? Eh, hey, reviens ici, là. Je veux rien te faire, là. Putain, c'est dingue, ça. Elle est partie où? Attendez, elle a sauté partout. Aïe. Aïe. Aïe, non. C'est pas grave. On nage. Regardez, elle a sauté par-dessus. Oui, bah, une ligne qui a respawn, c'est quoi ça? Bye bye. Non, mais attendez, elle a sauté, on sait même plus où elle est. Attendez, c'est quoi ça là-bas? Je crois qu'il y a un transat. Ouais, bon, bref, ici c'est bon. Pour moi, c'est tout. Et bah, maintenant, je vais vous montrer les. Ah, bah, je retrouve ma. Mais non, elle est sur. Attendez. On va mettre sur pause dans un endroit mieux quand même. Je vous ai pas montré un peu l'ensemble de la maison aux alentours, je vous ai juste montré le dehors. Prendre une arme mieux quand même. Voilà, les alentours commençaient. C'est un peu comme ça. On va monter sur le balcon. Et on va. Enfin, je vais vous montrer les photos. Donc voilà. Je mets pause. Je mets une galerie. Donc voilà, là j'ai mes photos. Qu'elles doivent charger vite normalement. Allez, bougez-vous là. Lolo, c'est pas drôle là. Oui, j'ai pris plusieurs photos. Est-ce que l'endroit est montré par ici? Donc on va en profiter. On va montrer toute ma galerie photo si ça vous dérange pas. Non, on va montrer juste les photos essentielles. Donc voilà, je vous parlais. Attends. Excusez-moi, non. Voilà. Donc là, je suis pas sûre que vous voyez très bien. Je sais plus comment on fait pour rentrer dans le. Comme ça. Non. Non. Bon, attendez. Moi, je sais plus comment on entre dedans. Donc, ici, vous voyez bien que c'est en feu, que c'est tout défoncé. L'hélicoptère, un hélicoptère qui est crashé aussi, en fait. Donc, vous voyez la maison toute défoncée. Il n'y a pas eu de crash juste avant par provoqué par moi. C'est totalement, voilà. Et puis là, bah, la maison que je viens de vous montrer, vue de nuit. Donc, elle est magnifique, cette maison. Donc là, la vue qui est sur la route. Donc là, je m'étais pris en photo avec, mon Luxor à ma limousine. Je me tapais un petit délire. Donc, voilà, bah, je vous propose d'aller voir cette maison tout de suite, en fait. Tout simplement, pour vous prouver. Oh, il y a spawn quand même. Ouais, par contre, comment je fais pour monter, dites-moi. Oh, bah c'est bon. Non, il va ressortir le con. Non, non. Oh, c'est bon. Ouais, c'est bon, je suis dedans. Vite, 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 il va exploser. Dépêche. Oh, c'est bon. Donc, voilà la maison de haut, ce qu'elle fait. Je n'ai pas visité le haut, il n'y a pas de... Non, pas de truc d'hélicoptère.
Donc elle fait un peu penser à la maison dans une mission de je ne sais plus comment il s'appelle, et là il y avait une Bugatti Veyron. Mais non, ce n'est pas celle-ci, l'autre est à l'autre bout de la map en fait. L'opposé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un point. Par contre, c'est assez loin. Bah, c'est où j'ai mis mon lieu important. Donc voilà. Donc là, j'y vais. Il y a le Fort Zancudo, donc on va éviter d'y traverser, ce serait pas mal. On va être obligé de passer au-dessus, j'ai la flemme de passer à côté. Oh, c'est quoi qui atterrit là? Oh, c'est un avion de chasse! Ouais, bye bye. Non, j'ai 2 étoiles, c'est quoi ça? Wow! C'est quoi ça? Oh, mais calme-toi, Dédé, là. Oh, attendez, bougez pas, lui, je vais me le faire, au pire, vous savez quoi. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, hein? Détruire Timmy, c'est ça? Je vais faire gaffe, parce que mon hélico, il est en train de cramer. Il est en train de plumer. Ouais, d'ailleurs, il est parti, hein. Donc, il est parti, on va le laisser tranquille. T'as rien qu'on passe au-dessus, t'sais, il nous dégomme-gomme. Et si j'étais le président de la République, hein? ta gueule, voilà, là, merci. Wow, mais il s'arrête, il redémarre, c'est quoi ça? De toute façon, on a 2 parachutes. On a le parachute normal et 2 secours, donc c'est bon. Ok, il marche vraiment plus. C'est là où il y a les bikers, non? C'est après? Je crois que c'est. Ah non, c'est avant. Bon, on est pratiquement arrivé. Ouh, vous voyez comme il s'arrête là, c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Je vais sauter en parachute parce qu'il peut plus. Avancer là. Ok, il va pas me retomber sur la. Wow! Wow! Calme! Petit hélicoptère. Bon, d'accord, il y a un bout, il y a des bouts de machin qui retombent là. Petite voiture? Oh non, je voulais retomber sur le truc. Laisse-moi tomber mon truc, toi, putain de bagnard. Non! Arrête-toi! La Buffalo aussi? Ouais, je veux la Buffalo, moi. T'as cru, toi, dégage. T'as un problème, toi? On va lui coller une petite bombe collante, ça va lui faire du mal. Bien. Bandou, bandou! Bye bye! Hasta la vista! Wouah! Aïe! Oh, attendez, il y a une moto. On va lui prendre ça, truc. Oui, comme ça, il est pas mort. Oh, t'es sûr. Voilà. Là, je crois qu'il est mort. Non? Là, on va monter sur cette moto, qui est plutôt jolie. Hein. Oh non, j'aime pas ce machin-là. Faut le relivrer. C'est la Dinka WT. Ah, regardez, on va lever un peu la roue, et ben on peut même pas. C'est quoi cette moto de merde? On peut pas lever la roue. Ah! Ouh! Désolé. J'ai failli percuter cette magnifique. Mauvais camion. Là, il y avait un truc à fourgon blindé à voler. Non, je ne suis pas un voleur. En temps de vidéo, bien sûr. Bien entendu. Donc, vous vous rendez ici sur la map. Vous voyez que ça fume déjà là-haut. Je sais pas si vous voyez. Non, je crois que vous ne voyez pas vous. Donc je vais remontrer si vous ne nous avez pas vu. Je vais enlever mon point. Donc tout bien là-haut. Et bah, vous vous mettez pause et puis vous regardez tout simplement. Donc là, ce que vous faites le tour, vous passez par là. Ça m'est égal. Donc on arrive déjà. C'est tout cassé. Et le feu, il est à l'infini. Hein. J'ai essayé d'attendre pas mal de temps. Il n'y a plus de piscine, un hélicoptère visiblement de la police, c'est marqué. Donc allez voir par vous-même, c'est pas mal. J'ai essayé de rentrer dedans parce que j'ai vu que la porte était ouverte, donc je brûlais à chaque fois. Donc, je vais vous montrer ça. Et les gens, ils sont à côté, ils sont sans pression. C'est ça qui me choque le plus en fait. Et franchement, à vous,
Je pense que vous l'avez, je pense que c'est dans tous les jeux de GTA, mais franchement, si vous l'avez pas, c'est bizarre. Parce que regardez. Je vais vous montrer de haut un peu l'hélicoptère de police qui s'est vraiment crashé ici, avec là le toit qui est complètement défoncé. Et regardez, quand on essaie de se poser, bah déjà on peut se poser, donc on va se poser. On va être posé. Allez, se dégage. Je vais sortir, moi. Voilà, là on est sorti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. Parce qu'en fait, vous voyez bien que là, ici, là, il y a du feu. Du coup, ça nous fait cramer et tomber par terre. Regardez. Déjà, ouais, la première c'est raté. On va prendre feu, faut que je me barre là. Si on meurt, on respawn juste à côté. Là, ça m'a fait penser un peu à une prison. Là, l'hélicoptère de police, qu'est-ce qui me fait penser? Bah déjà, déjà le signe, et puis regardez sur la portière. Marqué police. Aïe. Wow, c'est quoi ça? Puis comme par hasard, bah il y a du feu, mais il n'y a pas de piscine. Hein. On va se bouger un petit peu. On va essayer vraiment, enfin c'est même impossible, mais on va essayer quand même d'entrer dans cette vieille maison toute pourrie là qui crame. On va laisser cramer notre hélicoptère, j'aime bien. Ah non, je vais tomber dedans. Ah, je suis mort, mince, je suis mort. Et ben, je suis doué, moi. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Bon, voilà, les amis. Vous voyez qu'on ne peut pas rentrer. Donc, pour moi, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter mes vidéos. Et puis, moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.